La France respectera le calendrier du retrait de ses soldats basés au Niger. Les 1500 hommes quitteront le pays le 31 décembre comme prévu. Le commandant des forces françaises au Sahel a confirmé ce départ lors d'une conférence de presse vendredi à Niamey. Les premiers soldats ayant quitté le pays sont arrivés jeudi au Tchad, alors que le flux logistique doit débuter la semaine prochaine. 282 soldats français sont partis. Il y a des mouvements importants qui vont se faire dans les jours qui viennent. Donc d'ici une semaine, on sera quasiment à la moitié de les engagés. Mais les gros flux logistiques vont véritablement commencer la semaine prochaine. Parce que, évidemment, vous imaginez bien que pour sortir 1500 personnes, il y a toutes les opérations de préparation, de constitution des conteneurs et ainsi de suite. Les conteneurs, il y a 2500 à sortir. Ces opérations sont organisées en collaboration avec les autorités nigériennes. Une transparence nécessaire pour rassurer la population au regard du contexte des relations entre Paris et Niamey. Nous appelons la population justement à ne pas, comment on appelle ça, avoir des comportements, je ne dirais pas irresponsables, mais qui attisent à la haine. Aujourd'hui, on a travaillé ensemble pendant des années. On a demandé qu'ils quittent, donc on voudrait que tout se passe très très bien, qu'ils puissent regagner le Tchad. Les militaires au pouvoir à Niamey depuis la chute de Mohamed Bazoum avaient demandé le départ des 1500 soldats français au nom de la souveraineté de leur pays.